Coucou tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. N'hésitez pas à me faire signe quand vous êtes arrivé. Coucou Jess. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde ait temps d'arriver, de s'installer. J'espère que ça va fonctionner. Le réseau n'est pas super top. Coucou ma bichette. Ça va, Evie? Lucie. Bon, c'est une grande première, n'est-ce pas? Coucou Marie, curieuse. J'espère vraiment que le réseau va fonctionner correctement. Je suis un peu au ralenti, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je ne sais pas si vous entendez bien aussi. Bon, après, je vais bouger la caméra, donc je serai plus au-dessus. Donc normalement, ça devrait aller mieux. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à me faire coucou. Quand vous êtes là, ouais, je sais, ça coupe. Mais c'est vraiment compliqué les réseaux là. Coucou tout le monde. Bon, eh bien, écoute, on va commencer. Merci d'être là. Je suis très contente de faire ce premier live. Pas très habituée à l'exercice, mais il faut un début à tout. Voilà. J'espère que je serai claire. Il ne faudra pas hésiter en cours de route de m'arrêter ou de me poser des questions si je vais trop vite ou si je ne suis pas claire, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'il manque Sophie, qui devait être là, mais je ne l'ai pas vue encore. Sophie, si tu es là, tu fais un petit coucou. Bon, vous m'entendez bien, c'est cool. Normalement, ça devrait peut-être passer un petit peu mieux. J'ai coupé la wifi de l'autre côté. Bientôt la 5G. Oui, pas gagné, hein. La fibre aussi, ce serait bien. Lucie, je sais pas si tu as du nouveau de Sophie, est-ce que je la vois pas? Pourtant, elle était au taquet comme toi. Tout était prêt. Et bon, je sais qu'elle avait déjà préparé son matériel, donc. Ah, ça y est. Coucou Sophie. Super. Bon, bah écoutez les filles, on va y aller. Alors, bah vous savez, voilà, je vais vous montrer la carte donc qu'on va faire. Vous l'avez vu déjà sur le poste. Donc, la carte diagonale avec l'éclairage, j'espère que vous voyez bien, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu. Ok, et puis bah, j'en ai fait une autre. Voilà. Voilà, j'ai l'impression d'être au ralenti, c'est horrible. Voilà. Et donc la carte qui s'ouvre.
comme ceci. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais juste la caméra pour que vous ayez. Coucou Yvonne, je suis super contente que tu sois là. C'est top. Coucou Julien. Allez, hop, je déplace. Alors, c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous aviez tous et toutes préparé le matériel, mais de toute façon, je vais le faire avec vous. Comme ça sera plus simple pour vous expliquer. Donc, j'ai choisi donc un autre modèle. Voilà, j'ai pris un papier que j'aime beaucoup de la collection Essence Éternelle. J'adore ces motifs, c'est vraiment magnifique. Voilà, avec mon cardstock, pétale de rose et bien sûr le murmure blanc. Alors pour commencer, donc vous prenez votre cardstock de couleur. Voilà, on le découpe donc 15,6 par 22,8. Hop. 6 et 22,8. Voilà. Et ensuite, on divise donc ce papier en trois morceaux, en trois parts égales en fait, tout simplement. Donc la première à 7,6. Hop. Et le deuxième à 15,2. Voilà, donc là, vous voyez les trois parts égales. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, on met de côté. On va préparer le reste. Donc les deux papiers de murmure blanc. Donc, le premier à 6,7. Bon, je vais faire à 13 ici. 13,6 ici. Ah, pile poil. Hop. Et 6,7. Voilà. Donc, le premier. Et le deuxième. Alors, j'avais déjà coupé d'avance. À 7 par 14,3. Donc vous verrez, ça sera pour mater donc les papiers ici. Donc la plus grande partie, celle de 7 cm par 14,3, viendra au centre de la carte avec le sentiment. D'accord? Et la deuxième, en fait, on va la couper en deux pour venir ici mater le papier. La collection. Voilà. Alors, pour la découpe, ah, il manque la collection là. Donc, on disait 13,7 cm par 6,7. Donc ça sera pour la partie arrière. D'accord? Donc la mesure du papier déco de 6,7 par 13,7. On va venir le découper et ça sera la partie arrière de votre carte. D'accord? Ensuite, le deuxième morceau. Donc à 5,7
par 12. Hop. Voilà. Et donc on viendra également le couper en deux. Et c'est votre papier qui sera à l'avant sur le blanc. Alors, pour les découpes et les pliages, on va commencer par cette partie-là. Donc, vous avez les trois volets de la carte. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Voilà, donc vous faites vos plis. Hop. Et donc, il va falloir venir faire le pliage. Il va venir comme ça. Hop. Je vais juste regarder si vous... Pourquoi Yvonne t'es perdu? Le premier pli du papier pétale rose est à combien? Ça a bugué. Alors pour le cardstock ici, Lucie, donc le pli, le premier est à 7,6 et le second à 15,2. Et finalement, ça fait trois parties égales. Donc 7,6 et 15,2. Voilà, j'espère que c'est bon. N'hésite pas à me dire. Donc, je disais les plis. Alors, ce que je vous conseille de faire, en règle générale, donc je prends le massicot pour faire les plis, mais là, en l'occurrence, on veut faire des plis qui vont arriver pile aux pointes. Et le problème du massicot, c'est qu'il risque, en fait, quand on va le passer, d'abîmer les pointes et ça risque de pas faire joli. Donc, je vous conseille de prendre soit le plioir, soit ceci, d'accord? Et tout simplement de faire le pli à la règle, de pointe à pointe. Donc, vous avez votre carte à l'horizontale, d'accord? Vous prenez le premier pan de gauche et vous venez poser votre règle de la pointe supérieure droite à la pointe inférieure gauche. Et vous marquez votre pli. N'hésitez pas à insister sur le pli, parce que comme c'est du papier cartonné, il faut vraiment que le pli se fasse bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il apparaît là? Voilà. Donc, sur le premier pan, la pointe supérieure droite vers la pointe inférieure gauche. Vous suivez toujours. Tiens, coucou Lucie. L'autre Lucie. Ok. Alors, on continue. On va faire maintenant le pli sur le troisième pan, d'accord? Donc là, on vient de faire le premier. Donc vous voyez, on a fait celui-ci de là à là. Et maintenant, on va faire celui-ci. Donc même principe, mais sur le troisième pan ici, on part de la pointe supérieure droite vers la pointe inférieure gauche. Et on le marque toujours à la règle. Commencer le pli, vous pouvez vous aider du plioir pour le départ. Comme ça, vous peinerez moins ensuite à faire le pliage correct. Hop. Donc, je retourne. Voilà. Alors, c'est bon, tout le monde arrive à suivre. Alors, ben là, tout simplement, on fait nos plis.
Donc, le pan gauche, on a fait le pli et on le rabat vers l'extérieur. Ensuite, le pan de droite, même principe, on vient plier. Et voilà. C'est tout l'effet de la carte en fait, hein. C'est un pliage en fait très simple qui donne tout son effet. Voilà. Et en fait, ça y est, vous avez l'essentiel de la carte Gatefold diagonale. Hop. Ok. Alors, on va mettre de côté et on va prendre les papiers de murmure blanc. Alors, ici, il s'agit donc de découper pour pouvoir mater le papier design. Et donc, c'est ce qui va venir sur la partie supérieure de la carte. Donc, on y va. Alors, encore une fois, étant donné que l'on coupe sur des pointes, là, j'utilise également ma règle et je trace un trait très léger pour pouvoir en fait couper au ciseau et ne pas abîmer la pointe, enfin les pointes de mon papier en fait. Et là, donc, toujours même principe, on part de la pointe supérieure droite vers la pointe inférieure gauche et on trace un trait très léger pour pouvoir découper. Et on y a. Voilà, on gomme les petits traits qui gâcheraient tout. Voilà, et donc ces deux morceaux viendront se coller ici. Non, enfin si, c'est le papier qui fait 6,7 par 13,6, Sophie. Donc celui-ci, le 6,7 par 13,6. Le deuxième morceau de murmure blanc, c'est le 7 par 14,3 cm. C'est celui qui viendra se glisser au centre de la carte. Alors ensuite, nous allons venir découper nos papiers design. Donc le plus petit est celui qui viendra devant. Donc le 5,7, 5,7 par 12, c'est le papier déco qui viendra, le papier design qui viendra se mettre sur l'avant de votre carte. D'accord? Le second, le 6,7 par 13,7, donc le plus grand, est celui qui viendra à l'arrière de la carte, ici. Donc là, même principe, on va le découper. Voilà. Alors, là encore une fois, je trace mon trait. Donc, pour le papier qui va à l'avant, le 5,7 par 12, comme tout à l'heure, je vais voir dans quel sens je vais le mettre. Voilà, hop, pointe supérieure droite vers pointe inférieure gauche, et on trace. Et on vient découper. Alors sur le papier foncé, c'est pas hyper pratique, on est d'accord. Mais ça va quand même.
là, voilà, un petit coup de gomme si nécessaire selon la clarté de votre papier ou non. Et donc voilà, ça viendra se mettre ici et donc à l'avant de votre carte. Ça viendra se positionner comme ceci. Alors, on continue les découpes. Celui-ci maintenant, donc le plus grand, 6,7 par 13,7. Et là, par contre, attention, on le découpe dans l'autre sens. C'est le seul qu'on découpe dans l'autre sens. Donc, on part de la pointe supérieure gauche vers la pointe inférieure droite. Et on trace. Hop. Et on découpe. Coucou Lucille. Je suis aussi stressée que toi l'autre jour. Et voilà. Là, nous avons l'essentiel de nos découpes qui sont faites. Et donc, comme je disais, ces deux papiers-là vont venir se mettre à l'arrière de la carte, ici et ici. Voilà. Alors, on continue. Non, non, t'inquiète pas, Lucie, tout va bien. Je suis contente que tu sois là. Alors, on continue. Je ne sais pas si vous aviez déjà prévu donc vos tamponnages. Donc, on va prendre celui-ci, le dernier murmure blanc qui reste, en fait, tout simplement. Donc, la mesure 7 par 14,3 cm. Alors, moi, sur ma carte, j'avais mis donc le tamponnage dans le bas de la carte pour avoir la place quand même d'écrire un petit mot au-dessus, étant donné que c'est quand même pas très large, c'est un petit peu inférieur à une carte standard. Voilà, donc je vais faire à peu près le même principe. Après, vous, selon les tampons que vous avez, vous pouvez voilà, adapter selon vos goûts, en fait, le mettre en haut, le mettre en plein milieu. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc moi, j'ai choisi de prendre le set de tampons coordonnées à la collection Essence Éternelle, et je vais prendre Bonheur et Tendresse en ce jour pour toujours. Voilà, alors il est là. Alors, pour ne pas avoir de soucis d'ancrage, je vais prendre mon stand Paratus. Voilà, on ne sait jamais. Donc, je positionne mon papier. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cet ustensile qui est quand même fort pratique, n'est-ce pas? Effectivement, en cas de problème d'ancrage, s'il en manque un petit peu, c'est quand même le top. Alors, les aimants sont très, très forts. Hein. Vraiment, voilà, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Voilà, donc je positionne mon tampon, je le plaque et je vais pouvoir venir ancrer mon tampon. Hop. Tout simplement. Et voilà. Zou. Alors là,
C'est nickel, tout va bien. Mais donc du coup, l'avantage en fait de ça, c'est que si jamais il avait manqué des morceaux d'encre, comme le papier ne bouge pas, on peut tout à fait réancrer le tampon et revenir positionner pile poil dessus pour rajouter l'encre qui manque sans galérer à reposer. Voilà, donc c'est quand même hyper pratique. Donc ça, c'est fait. Je n'ai pas pris mon chamois, il est là. Hop. Petite dédicace à Lucille d'ailleurs. Voilà. Je le range. Zou. Alors, c'est parti. Oula, vous voyez, j'ai tout qui vient avec. Donc ça, je le laisse là. Je récupère ma feuille et on va pouvoir commencer à coller. Alors, on reprend nos morceaux de murmure blanc. Ici, nos papiers design qu'on a choisi de mettre à l'avant. Et tout simplement, on colle. En fait, vous voyez, elle n'est pas compliquée du tout. À partir du moment où on a compris au départ le sens du pliage, après, ça vient tout seul. Et ça permet de faire des cartes un peu originales. Donc là, pour coller, en fait, ce que je vous conseille, c'est de viser les pointes, d'essayer de bien re rejoindre les pointes. Hop. Voilà. En laissant une petite marge. Zo. Que toutes les pointes soient bien dans la même direction. Comme ça, vous êtes quasi sûr de bien les positionner. Hop. Le deuxième morceau. Finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier non plus. Voilà. Ne m'en veuillez pas, je tremble un petit peu. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, on va venir coller ici. Comme ceci. Oh, pardon, je suis un petit peu excentrée. Donc ici, sur les deux parties avant, et même principe, on essaye de rejoindre les pointes, les directions vers les pointes. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas suffisamment claire, si vous ne voyez pas bien, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas. Hop. Et je viens coller sur la partie supérieure. Voilà. Ici. Vous voyez déjà, ça commence à prendre tournure. Le papier ressort bien. Alors, n'hésitez pas à venir appuyer sur votre carte. Bon, c'est vrai que le cardstock est parfois un peu épais pour ce genre de pliage, mais finalement, ça tient bien et puis ça s'assouplit en fait. À force de manipulation, on arrive à assouplir le papier. Voilà. Alors maintenant, bah, tout simplement, on va venir coller les deux parties à l'arrière. Donc la partie de droite et la partie de gauche avec la pointe vers le haut. Hop, c'est parti. Voilà. Et la deuxième. Le plus gros est ferme. Voilà. Et bien maintenant, on va venir coller notre sentiment à l'intérieur de la carte.
Voilà. Donc comme ça, vous avez la place de mettre un petit mot. Donc encore une fois, hein, moi j'ai mis mon sentiment en bas, rien ne vous empêche de le mettre en haut ou même de le mettre sur un côté comme ça ou carrément en plein milieu. Aucun problème, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Et donc maintenant, eh bien, il reste à juste venir mettre ce que vous souhaitez au centre. D'accord? Donc moi j'ai choisi d'utiliser en fait eh bien, la suite de la collection tout simplement. Donc je vais tamponner la fleur qui fait partie du set de tampons. D'accord? Donc celle-ci en fait que je vais venir découper avec la perforatrice adaptée. Voilà. Donc elle est ici. Je l'ai préparé juste en avance tout à l'heure. Je voulais faire un test de couleur. Voilà. Donc en fait, ça donne ça. Donc je l'ai tamponné deux fois. Collé tout simplement avec un point de colle au centre. Et avec donc un stylo ou peu importe, j'ai rabattu un petit peu les feuilles pour donner un petit peu d'effet. Donc j'ai utilisé l'encre pétale de rose comme le papier. Voilà. Alors j'hésitais. J'ai fait une découpe aussi comme ça. Et je me disais que ça pouvait être pas mal. Pourquoi pas? Ouais, je vais sûrement mettre ça. Et du coup, au centre également, vous avez le centre de la fleur. Donc on peut trouver aussi sur le catalogue. Je crois que parmi vous, je crois que c'est Lucie ou Jess qui en avait pris. Voilà, donc tout simplement avec du double face. Voilà, il y a juste à décoller et à mettre au centre de la fleur. C'est très joli, très simple. Et puis bah, évidemment, les couleurs sont parfaitement adaptées à la collection. Hop. Voilà. Et je vais venir simplement coller ma fleur au centre, que je viendrai ensuite coller ici avec mes dimensionnelles, qui se trouvent être ici. Voilà. Vous voyez le montage très simple et rapide. Merci Lucie, là j'ai vu je vois en retard vos commentaires. Ah Sandra, ma bichette, je te promets, la prochaine, on s'organise pour que tu sois là. T'en fais pas. Tour sur vos... Coucou Alex. Hop. Un petit point de colle. Zou. Voilà. Et donc ensuite, donc je vais mettre mes dimensionnelles derrière. Évidemment, que sur un côté pour pouvoir me permettre de toujours ouvrir ma carte. Alors après vous choisissez si vous voulez le sens où vous voulez présenter votre carte parce que vous voyez elle peut également se positionner comme ça ou comme ça. Vous vraiment vous positionnez votre déco comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi mettre un sentiment ici. Une étiquette avec un tag, c'est ce que j'avais fait sur ma toute première. J'avais fait un thème Pâques, donc j'avais le petit lapin au centre et j'avais fait dépasser une étiquette avec écrit Joyeuse Pâques derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment comme vous le sentez. Ah oui, Majess, c'était toi pour les centres de fleurs, c'est vrai, exact. Donc voilà, donc là je vais mettre mes dimensionnelles. Hop. Donc là. Ici, avec ma fleur, peu importe le sens, en fait, là, c'est pas très gênant. Hop. Donc, je vais mettre sur la moitié. Hop. Donc, là, les dimensionnelles, hein, je crois que toutes les participantes les connaissent, hein. C'est quand même super pratique. Voilà, ça se défait tout seul.
Bon, quand on a des ongles, c'est mieux. Voilà. Donc voilà. Hop. Je viens la positionner au centre. Et voilà. Alors, moi j'ai pensé la laisser comme ça. Encore une fois, rien ne vous empêche de rajouter des petits brillants, par exemple, ici. Voilà, après la déco, en fait, vous êtes vraiment libre et sentez-vous à l'aise à partir du moment où vous, ça vous plaît. En fait, je pense que c'est surtout ça l'essentiel. Voilà. Donc voilà, vous avez une carte, vous voyez, même de derrière, c'est sympa, c'est croisé. Hop. Et voilà, le petit message à l'intérieur. Voilà. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre avancée. Je ne sais pas si tout est clair pour vous. Je vous remets les modèles là. Ça me ferait plaisir ensuite de voir ce que vous avez créé, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est les trois modèles donc, que j'avais fait. Vous voyez, c'est vraiment des papiers, des thèmes complètement différents. Donc celui du milieu, je pense que vous le connaissez toutes, hein, c'est la collection qui est sortie à la Saint-Valentin qui fait partie du mini-catalogue. Et puis ça, c'est Joyeuse Perforatrice qui est sortie un petit peu plus tard au moment de la Celebration. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. J'en profite juste pour vous dire, alors certaines parmi vous le savent déjà, mais le nouveau catalogue est en cours de sortie, donc il sortira au mois de juin. Sauf que Stampin' Up! Nous propose déjà une première collection qui est au top. Voilà, et on peut les précommander déjà dès le 1er avril. Donc si la collection vous plaît, n'hésitez pas. Donc je ne sais pas si vous allez hyper bien voir. Voilà, c'est une collection qui est très fleurie, qui ressemble un petit peu à la collection qui était offerte pendant la Celebration, en fait, où il était possible d'ancrer les motifs. Et ben là, c'est le même principe. Voilà. Donc ici, vous avez les tampons. Moi, je les adore. Hein, la police d'écriture, je la trouve géniale. J'ai hâte de les recevoir. Les poinçons bordure qui sont très très sympas aussi. Ici, vous avez donc la collection hyper fleurie avec la possibilité d'ancrer certains papiers, notamment le premier là ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et la suite, pareil, avec des poinçons cadres qui sont juste extra. Hyper chic, adaptable à plein plein de projets, je trouve. C'est très sympa. Et puis encore les fleurs. Ah, pareil, hein, il y a de quoi t'éclater. Je veux voir. Mais oui, tu vois. Sauf que le catalogue va falloir attendre. Et on a le pliant à ragofrage aussi, avec les petites fleurs. Les rubans adaptés, évidemment. Et les gemmes. Voilà. Donc c'est vraiment une collection complète, gaie, fleurie, vraiment hyper sympa. Moi je craque particulièrement pour les tampons, là. Vraiment. Je pense qu'il y a de quoi faire des trucs vraiment super sympas. Donc voilà, donc ça c'est possibilité de les commander dès mercredi. Voilà, il suffit de me contacter, aucun problème. D'autre part, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais la Celebration se termine demain soir. Voilà, si vous êtes tenté par une dernière commande avant la fin, pouvoir bénéficier des cadeaux, c'est le moment. Si d'autres souhaitent tenter le coup de démonstratrice, là aussi, c'est. Alors, à tout moment de l'année, bien sûr, on peut devenir démo, hein, aucun problème. Là, c'est vrai que la période était assez propice puisqu'il y avait beaucoup de cadeaux à la clé. Mais bon, voilà, c'est toujours. Voilà, il y a encore jusqu'à demain soir pour passer les commandes. Et
Une dernière petite chose et après je vous laisse tranquille. J'ai donc moi je fais des créations de mon côté et une des choses que j'ai remarquées en fait où j'avais un petit peu de mal, c'est quand les couleurs ne sont pas innées, on n'est pas forcément artiste à proprement parler dans l'âme, on hésite un peu à accorder les couleurs. Alors on a la chance avec Stampin' Up! Qui propose des produits complètement coordonnés, mais on ne le voit pas du premier coup d'œil. Donc en fait, j'ai créé un visuel qui me permet, donc ouais, vous voyez, il est accroché sur mon atelier, de voir exactement la collection et les couleurs qui sont adaptées pour les papiers et les encres. Et j'ai fait ça pour toutes les collections du catalogue annuel et du mini catalogue de janvier à juin. Voilà, donc c'est il y en a trois, hein, il y a trois pages comme ça. C'est un fichier qui m'a pris de nombreuses heures à réaliser. Donc je l'offrirai en fait à mes clientes pour toute commande supérieure ou égale à 100 euros. J'offre ce fichier PDF à imprimer. Et je le ferai également pour les prochains catalogues. Je le ferai systématiquement à chaque sortie de catalogue dès le début, là, donc dès la sortie du catalogue annuel en juin, que vous allez pouvoir voir. Je le préparerai avant pour qu'il soit disponible, voilà, au moment de la sortie du catalogue, pour que vous puissiez vous y retrouver tout de suite, savoir, selon la collection que vous choisissiez, quelle cardstock adaptée, quelle encre adaptée, voilà. C'est un petit plus. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, Sophie, je suis désolée. Merci. Ouais, je suis désolée pour le réseau, effectivement. Je plie à l'envers, ça fait des costumes. Oui, ça m'est arrivé aussi, Jess, la première fois. Coucou Rosario. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la prochaine fois, oui, Lucie, bientôt le nouveau catalogue. Sois patiente. J'adore. J'espère que ça a été suffisamment clair. Voilà, on s'améliore avec l'expérience. Donc le prochain sera peut-être mieux, j'espère. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes une excellente soirée. Merci à celles qui me soutiennent. Elles se reconnaîtront, j'ai pas besoin de les citer. Je vous embrasse très très fort. Bon courage pour les jours à venir. Et pour celles qui souhaitent commander, eh bien, rendez-vous sur ma page ou par mail. Voilà, je vous embrasse très très fort et bon scrap, à bientôt. Au revoir.